Hey hey hey, cucu mes petits culs, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Dites-moi, ce serait pas bientôt un peu Noël? Oui, et je vois déjà qu'il y en a qui trépignent d'impatience pour ce mois rempli de décorations et de féeries. Et bien justement, moi je vais vous proposer de faire un petit Noël à ma façon, à notre façon, c'est à vous de travailler. Je vous propose un petit challenge de décoration de pièces. C'est parti. Tout simplement donc, il s'agit de redécorer un salon que j'ai déjà créé. Vous pourrez le trouver déjà sur ma galerie à Jean Charlet. C'est une pièce, c'est-à-dire que c'est pas une habitation, c'est une pièce. Ce sera plus facile si vous la repartagez en tant que pièce, comme ça moi je pourrais mettre plusieurs salons sur le même terrain pour pouvoir les regarder. Donc faites au mieux, c'est très simple, je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment faire pour prendre juste la pièce au lieu de faire un terrain. Ce salon est donc complètement décoré en jeu de base. C'est un salon, il est fonctionnel, on peut y rentrer, on peut s'asseoir, on peut faire des choses, discuter, regarder la télé, allumer la cheminée, etc. Et le but de ce petit challenge, ce sera tout simplement de le redécorer à votre manière, mais façon Noël. Et oui, c'est-à-dire que là, on devra toujours avoir le côté du salon, le côté pièce de salon et le côté, bien sûr, Noël. Comment vous imaginez Noël dans les Sims ? Comment vous imaginez le Noël dans ce salon? Alors, bien sûr, il y a quelques petites choses qu'il ne faut pas changer, telles que le papier peint en brique qui est derrière la cheminée. Vous, actuellement, j'ai mis une cheminée, et bien je vais mettre un mur de briques derrière. Il ne faudra pas toucher à ce mur de briques, puisque le propriétaire préfère comme ça. Vous ne pouvez pas changer le sol, qui est un parquet, avec le jeu de base, vous inquiétez pas. Et vous ne pouvez ni toucher les murs, agrandir tout ça, ni refaire les portes et les fenêtres. Les portes et les fenêtres restent au même endroit, ne bougent pas et restent les mêmes. Vous ne pouvez pas agrandir la pièce non plus, ni la rétrécir. Par contre, vous pouvez changer le papier peint qu'il y a sur les murs tout autour de la pièce. Le but est de rénover et de donner un côté féerique à cette pièce en gardant son âme de salon, puisque imaginez-vous vivre ou faire vivre quelques Sims dans un salon vraiment dédié à Noël. Vous pouvez utiliser tous les packs de vos choix puisque j'ai tout ce qu'il y a de sorti dans les Sims. Vous pouvez avoir un budget illimité, le salon peut valoir 1 million si vous le voulez, ça marche tout aussi bien. Et puis bah, tout simplement éclatez-vous, partagez-moi votre vision de Noël dans un salon féerique peut-être, juste votre vision de Noël, ce sera super bien. Je pense qu'il y a assez de place pour pouvoir installer un sapin, etc. Donc à vous de vous éclater et les candidatures pour ce projet sont ouvertes jusqu'au 10 décembre. Ensuite moi je vais regarder ces salons, en tout cas j'espère que je pourrai en regarder le maximum. Je sais pas si ce sera possible, ça dépend le nombre de participations. Mais j'espère que ça vous plaira comme petit challenge et je vous souhaite de vous amuser.
Quant au salon, il est ici et vous, quand vous le sélectionnez entièrement, vous pouvez voir que nous on sélectionne tout et ainsi que l'intérieur. Et pour le partager en pièces, vous devez faire comme si vous partagez un terrain normal. Vous voyez que vous allez sauvegarder dans la bibliothèque, vous cliquez dessus, vous avez deux options. Soit sauvegarder le terrain, soit sauvegarder la pièce. Et c'est la pièce qui m'intéresse, vous suffit que vous cliquez là. Vous avez votre pièce ici, vous la partagez en tant que salon et vous l'uploadez. Bien sûr dans la galerie, après avoir ajouté le hashtag salon pour Noël, évidemment. En tout cas, j'espère que ce petit challenge vous plaira. Et moi, je vous retrouverai très bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Et à très bientôt sur le soleil de Noël, ou pas. Ciao.